Hello, on est dimanche 13 ou 14, je sais plus, janvier. Donc petit vlog ce matin, il caille. Laissez tomber, ça a gelé par terre, ça a givré, tous les arbres sont givrés, je vous montre ça. Regardez, le givre tombe, c'est glacé. Je sais pas si vous allez voir, ouais, là c'est magnifique, la voiture elle est trop gelée. Voilà, c'est trop beau. Je sais pas si on voit bien, mais c'est blanc de chez blanc. C'est tout blanc. C'est magnifique. Je sais pas si on voit bien à l'appareil, mais c'est trop beau. J'adore. Voilà, tout est blanc. Même en face là-bas. Regardez. Tout est blanc. Je sais pas combien il fait ce matin, mais en tout cas, il caille. Même la voiture est gelée. Et même les petits trucs ont gelé. De zoomer un peu. Alors, 0 il est là. Hein. On a moins 6. Ouais. Ça caille dur. Ça a gelé, vous avez vu? Tout est gelé. J'adore. Donc voilà, ça caille. C'était pour vous dire ça que c'est caille caille. On enferme les poules le soir. En ce moment, on les enferme, mais il fait trop froid. J'avoue, ça caille. L'eau des chiens, elle est complètement. Je l'ai changée hier, je suis bonne à recommencer. Donc voilà, ça a bien gelé là. C'est bien gelé. Là-bas, on voit les petites poules, les poulets. Et on va leur redonner à manger ce matin. Je leur ai donné une courge, mais elle est gelée. Donc on va attendre un peu. Donc voilà, c'est tout gelé ce matin. Donc voilà. Demain, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste, comme je vous ai dit. Voilà. On verra bien, de toute façon, ça va se passer jeudi, opération. Allez, couac, on coupe tout ça. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. On va essayer de démarrer la voiture. Elle m'annonce moins 4. Ouais. Oh, c'est givré, je vous l'avais dit. Donc, je sais pas si elle va vouloir démarrer, on verra bien. On appuie sur l'embrayage pour l'aider un petit peu. Moins 4. Ouh, ça fume. Là, ça va. On va laisser chauffer, hein, parce que demain matin, ça va être compliqué aussi, non? Voilà. Ouais, ça va, je m'attendais à pire. Mais bon, ça a bien givré. Ah ouais, non, c'est gelé de chez gelé, hein, quand même. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Le givre il tombe. Ah, c'est vraiment trop beau le givre, j'avoue. Il fait froid, mais je peux faire ce temps-là. Oh, regardez ça. Ah, c'est trop beau. Là-bas, j'adore. Ça, je kiffe. Le blanc comme ça, là. C'est givré. Voilà. Ça, c'est trop beau. Magnifique. Bon, allez, je vous laisse. Ouh, il fait froid. J'ai mis sweat plaid. Si on pouvait aller au boulot avec ça, ça serait trop bien. Mais on n'a pas le droit. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Bon, ça caille trop ce matin. Ça a givré partout là. Ouh, ça a bien givré la voiture. Je l'ai mis en route pour la réchauffer un petit peu. Il fait moins 6. Voilà. Je sais pas si vous allez voir au fond là-bas. Ouh, il y a de la glace partout. Là-bas. Regardez-moi ça. Ces arbres, ils sont tous givrés. Voilà. Et il est 10h30, il fait toujours aussi froid.
Coucou tout le monde, on est mardi 16 janvier. Donc hier j'étais. Nana, tais-toi. J'ai été à mon rendez-vous pour l'anesthésie. Nana! L'anesthésie. Momo. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez sortir, mais je viens de vous sortir. Bon, je vais les sortir. Moins il fait beau, il fait froid. Moins 6 ce matin. Allez, dehors. Jamila, c'est par là la sortie. Merci. Voilà. Sortir pour faire quoi? Rien. Mimo, tu manges pas les gamelles? Parti voir les poules. Bon, on va les laisser un petit peu dehors. Donc, je vous disais, j'ai été voir l'anesthésiste hier. C'est bien passé, je me suis enregistrée pour le 18. Le souci, c'est que le 18, ils annoncent de la neige. Beaucoup de neige. Donc, j'espère qu'on va pouvoir y aller. Ça me ferait chier de reculer encore, allez. Non, mais on verra bien. Déjà, ce soir, ils annoncent déjà pour ce soir jusqu'à demain matin. On verra bien ce que c'est. Neige et pluie verglaçante, donc ça promet. Et puis jeudi, de la neige. Donc, voilà. Ça pouvait pas attendre que je rentre. Non, c'est faut que ça tombe le jour où je vais opérer, voilà. Donc, je sais pas, je serais peut-être un... Parce qu'il m'endort complètement. Donc, m'a demandé en chambre double ou en chambre individuelle. J'ai dit individuelle. S'il y a pas, tant pis, je rentre en chambre double. Parce que je m'en vais après, de toute façon. Je rentre le matin et je repars l'après-midi. Donc, voilà. Donc, ça devrait aller vite si tout se passe bien. Oui, ça va le faire, je vous inquiétez pas. Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Donc, voilà. Aussi, non, que dire d'autre? Bah, il fait beau. Ce matin, j'avais moins 6 quand je suis partie au boulot à 4h. Ouais, c'est ça. Je sais même plus à quelle heure je pars. Tellement automatique. Et puis voilà, au petit matin, je pense qu'il devait faire encore un degré de moins. Donc voilà. Là, ouais, comme je disais, ils annoncent de la neige ce soir et jeudi. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il fait froid, ça c'est clair. On a remis les sweat plaids. Donc, pour gagner un peu de chaleur. Mais bon, dans la maison, ça va, il fait bon. Il fait 20, ouais. Entre 19 et 20 degrés ou 18 des fois. Ça dépend comment il fait froid. Donc voilà, le poêle à gaz qui est là. Bon, enfin, là-bas, vous voyez, là, par là. Voilà, ça fonctionne très bien. Avec la bouteille, on fait un mois et demi, ça dépend comment on l'allume. Là, je ne l'ai pas encore allumé, je vais l'allumer tout à l'heure. Mais voilà, c'est sûr que le gaz est à 42 €, mais c'est une grosse bouteille. Et ouais, si, ça dépanne bien quand même, ça évite. Du coup, j'éteins les radiateurs et j'allume ça. Donc voilà. On essaye de gagner un peu sur l'électricité parce que ça augmente au mois de février, là, encore 10%. On est content. Le bois, on en a plus, donc faut qu'on en coupe. Et comme il fait super froid, on n'a pas envie de couper du bois, donc voilà. Et je vais voir pour essayer d'acheter 2-3 stères, mais on peut 2-3 stères, on n'a pas le droit. Donc, faut au minimum, c'est 5 stères. Donc, ça me gonfle. J'ai pas besoin de 5 stères, mais bon, voilà. Donc, je vais voir. Ça me chie, mais j'aurais voulu que 2 ou 3 stères, tiens. Ça m'aurait suffi pour finir. C'est tout ce que je voulais et je voulais pas 5 stères. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si je vais en commander 5 stères. Et puis, déjà coupé, je vais voir. Après, c'est cher le prix en coupé. Hein. Donc, ça va super vite. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus tard ou à demain pour la suite du vlog. Bisous, à plus tard. La voiture est gelée. Mais gelée. J'avais même pas gratté. Oh là là. Et là, je vous dis pas, ça glisse. Même la pelouse. Olé. Waouh. Ah ouais, non, là, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça brille. C'est mouillé, mais ça,
Ouais, ça glisse. Ouf. Et la route, voilà. La route, c'est une patinoire. J'ai personne qui roule. C'est une patinoire. Comment dire? Bah, jour de l'opération, il neige, voilà. Et ça tient. C'est pas top, hein? On part dans une heure. On va galérer, hein. C'est blanc. On va voir. On va y aller doucement. Oh. Surtout que je sais pas même pas s'ils ont déneigé hier là. Hier j'étais pas bleu mais là au gaz ce matin c'est une catastrophe. Bon le bandage j'en ai ras le bol déjà. Vivement qu'on me l'enlève. Là ce matin l'infirmière qui passe pour changer le pansement, ça va être l'enfer. J'ai l'impression que j'ai un trou dans le visage à l'intérieur. C'est à mes l'œil. Ça me gêne, laisse tomber. Pour la vue, ça va. Alors, je peux pas mettre de lunettes à part d'un côté. Pour faire mon DP ou autre, ça va être pratique. Je trouve une occupation. Voilà, voilà, voilà. Coucou à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Je voulais remercier tout le monde pour vos messages de gentillesse, de soutien, qui m'a fait énormément de bien. En plus du soutien de David qui m'a aidé beaucoup pour l'opération. Il est resté toute la journée avec moi, donc voilà, ça s'est très très bien passé. Je suis rentrée à 8h à l'hôpital, à 9h environ, je passais sur le billard, endormie complètement. À 11h, je me suis réveillée. J'ai bien dormi. Je crois que l'opération a duré une heure et quart, je crois, à peu près. Ouais, une bonne heure. Donc voilà, ça en va, c'est parti. Enfin, une partie de moi qui est partie. Et bon, bah voilà, là j'ai un bleu. J'irais plutôt un œil au beurre jaune. Mais bon, là ça va, ça va. Ça jaunit, après ça va partir. Je pensais que j'allais avoir là aussi, mais non, ça va. Là j'ai un petit peu bleu autour de la cicatrice, vous verrez. Les photos que je vous mets après. Mais sinon, voilà, ça s'est bien passé. C'était le principal. Là, je suis en arrêt pendant 5 jours. Jusqu'à dimanche 28. Après, je reprends le boulot. Parce que, voilà, je commence déjà à m'ennuyer. Voilà. C'est parce qu'on est en hiver. On ne sait pas quoi faire. Donc, voilà. Je vais jouer un peu à la Switch. Je vais faire un peu de crochet. Je vais faire un peu de DP. Je vais m'occuper. Je vais faire le ménage. Avoir les trucs habituels. Tiens. Et voilà, aller chercher Alexis, faire les devoirs, voilà. Mais sinon, pas grand chose à faire. Voilà, voilà. Donc sinon, pour Party Life, vous avez des belles promos, n'oubliez pas. Vous avez moins 70% jusqu'au 31 janvier. Vous avez les pots 3 mèches aussi qui sont disponibles. Un pot, le deuxième offert. À 43,95€ dans la collection automne-hiver. Vous avez la nouvelle collection qui est arrivée avec le catalogue printemps. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des senteurs. C'est une tuerie. Vraiment des senteurs méditerranéens. Vous allez voir, ça sent trop bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chez Guy de Marle, vous avez
Des nouveaux moules qui sont arrivés, le moule à Charlotte. Vous avez le moule spécial cœur pour la Saint-Valentin. Il est trop beau celui-là avec une écriture au fond. Donc si vous démoulez vos gâteaux, faites un glaçage au chocolat en dessous. Ça fait le beau dessin. C'est super mignon, je trouve, même pour les mômes, ça peut être sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des nouveautés dans l'épicerie Guy de Mal. Vous avez dans la boutique une partie épicerie. Allez faire un tour. Il y a vraiment de belles épices. Tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux, voilà, des concentrés, enfin tout ce qu'il faut pour faire du bon gâteau à la maison et de qualité. Vous avez aussi des petits galets de chocolat pour faire fondre votre chocolat, voilà, vraiment plein de choses. Achetez un œil si vous n'êtes pas allé. N'hésitez pas si vous passez une commande à me mettre en conseillère, je vous mets le lien sous la vidéo. Et sinon, bah, que dire d'autre? Il a fait froid pendant tout le week-end et là aujourd'hui il fait combien? 6 degrés? 6 degrés avec du vent et de la pluie. Même pas 6, il fait 10 degrés. 10 degrés à 11h18. Donc voilà. Hein? C'est pas mal. Voilà. Bon, sur ce, bah, je vous disais, l'œil barnois, c'est juste ça qui m'embête un peu, mais pour sortir, c'est pas trop grave. Les gens te regardent un peu bizarrement, mais je vais mettre un peu de fond de teint, au pire et pire. Camoufler ça, hein, de toute façon. Voilà. Sinon, bah, quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Je remercie tout le monde, surtout, qui m'ont envoyé des messages de soutien, hein, qui m'ont dit n'ayez pas peur. Donc, non, ça a été impeccable. Je suis super contente, c'est bien passé. La cicatrice, elle cicatrise vachement bien. J'enlève les fils dimanche. Là, j'ai enlevé le drain samedi matin. C'était un peu. C'était pas top. Mais voilà, le drain est parti. C'est ça qui est bien. Allez, sur ce, bah, je vous dis à plus tard ou à tout à l'heure. Et puis, j'ai un peu la lèvre explosée. Ouais. Faut que je reboie un peu plus d'eau. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bisous! Je ne vous ai pas montré les toutous. Les toutous vont bien? Allez, toutous! Oh là là, les toutous! Ciao, ciao! Y a Tigresse là? Nana, Momo? Ouais, ça y est, qu'est-ce que vous avez à râler encore? Hein? Regarde, c'est ta fille qui est en train de manger tes croquettes là. Hein? Nana, elle est en train de me faire. Oui, ouais, tais-toi. Elle est en train de me faire la mue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est magnifique. Hein? Oui, c'est moi qui devrais râler, pas toi. Hein? Fini tes croquettes là. Tu finis pas tes croquettes? Alors Nana, elle mange qu'elle a envie. Hein. C'est pas. Voilà. À part râler, c'est tout ce qu'il sait faire. Et elle mange. Pandora, laisse-la manger. T'as mangé Étienne dehors. Hein? Elle aussi, elle me fait une mue de poils là. C'est une catastrophe la maison. Tous les jours, elle est trop obligée de passer l'aspirateur. Ah, c'est bien Yoski, hein, mais alors, disons. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Gros bisous. Tout le monde, on est jeudi, je sais plus combien, donc janvier. il va peut-être me le dire quand il connaît. Attendez, je regarde. Jeudi 25, voilà. Donc je finirai le vlog aujourd'hui. Que vous dire? Bah voilà, l'œil encore un peu jaune, la cicatrice pas mal. Je vous mettrai la photo à la fin de la cicatrice, comment ça a évolué. Elle, la infirmière a dit que c'était très bien. Là aujourd'hui j'ai une petite migraine, donc toujours de ce côté-là, hein, comme d'habitude. Donc voilà, pris mon traitement. Ou sinon, bah voilà, on change les pansements tout le temps. On enlèvera les fils dimanche. Donc je vous ferai voir une photo avec avant les fils et après les fils. Sans les fils. Et lundi, on reprend le boulot. Voilà. Hein, ça y est, c'est fini.
tant mieux, j'en ai un peu marre d'attendre. J'étais pressée d'être en repos, mais du coup là, en plus David est malade, il s'est fait arrêter 2 jours par l'application Care, par le médecin, et là ce matin il retourne chez le médecin, il est vraiment pas bien non plus, donc voilà. Une bonne petite rhino ou une sinusite, je pense que c'est pris tout le long là. Donc vraiment, même avec le péribord et les gouttes d'un et le stérimar, ça, il est bouché. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle va lui donner comme traitement, mais je pense qu'il faut autre chose que de trucs viral. Hein. Donc là, ce matin, j'ai fait 2 petits gâteaux, 2 4/4. Donc voilà, celui-ci. Et j'en ai un autre dans le four. Hop là. Voilà, qui est en train de finir de cuire avec le moule, avec les moules Guy de Mar, le sapin de Noël qui va bientôt partir. Parce que, bah voilà, fini. Hein. Donc, voilà. Les toutous vont bien. Hein. Hein, on va aller donner à manger. Hein, miam miam. Miam miam. Mmh, miam. Voilà. Ah, toujours ma grande. Mon Yuski là qui arrête pas d'aboyer. Ouais, t'as faim? Ouais, il est à. Et Momo qui est là. Mimo descend. Allez. Tu descends. Dja dja. Ouais. Regardez les deux. Vous avez fini? Eh, ça suffit. Ça suffit. Hop, hop, hop. Ça suffit, j'ai dit. Bon, je vais leur donner à manger et je reviens. Donc voilà, j'ai donné à manger au chien. On voit mal. Ouais. Le gâteau est fini. On va le laisser refroidir tranquillement. Voilà. Je vais vous dire d'autre, il fait moche. Il fait 9 degrés dehors. Hier, il y avait 13 degrés. Donc, c'est bizarre ce temps. Vraiment bizarre ce temps. Donc, voilà. Aussi, non, que vous dire d'autre? Bah, vous voyez, mon œil est plus très jaune. Encore un petit peu, là. Là et là. Et oui, il y a la cicatrice et un bel hématome, elle m'a dit l'infirmière. Donc, voilà. Enfin, voilà. Ça tire un petit peu en haut, là. Ici. Mais je le sens, la cicatrice, là. C'est pas mal, quand même. Elle est tout le long, là. Je mettrai vite photo en fin. Pour ceux qui sont sensibles, ne regardez pas la fin, voilà. Ou sinon, bah, quoi dire d'autre? Bah, j'essaye de m'occuper. Je fais de la pâtisserie. Un gâteau, vous avez vu. J'ai fait à manger toute la semaine. Pour ceux qui disent que je ne fais pas manger ici, je fais mes repas. Donc, voilà. Pour une petite dame qui avait mis un commentaire, si, je fais les repas. Voilà, c'est ça qui est bien. Que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. J'ai fait du point de croix. Je vais faire un peu d'épée parce que du coup je peux mettre mes lunettes, j'ai plus la bande, donc je vais faire un peu d'épée. Et j'ai fait un peu de crochet aussi, donc je me suis occupée, comme on veut. Puis j'ai joué à Zelda, donc voilà. Je suis un peu changé les idées avec Zelda, donc voilà. Alexis va bien, il est à l'école, tout va bien pour le moment. Touche du bois. Les notes remontent, donc c'est bon. C'est bon signe, c'est déjà bien. Puis voilà, ou sinon, bah, pas grand chose. Je tourne un peu en rond, mais voilà, on fait avec. J'ai pas trop choix, j'ai une semaine d'arrêt, donc je m'arrête. Ça me repose, ça me fait pas plus de mal que ça, donc ça me fait du bien. Un peu de repos, le matin j'emmène Alexis à l'école, donc je me lève quand même à 6h30, voilà. 6h, 6h30, et puis voilà, hein, c'est tout. Voilà, voilà. La seule chose qui est chiant, c'est avec la douche. Pour laver les cheveux, c'est compliqué. Donc, bah, je me lave les cheveux. Oui, on voit encore bien le cocard. Le rose est parti, là, mais le restant, ouais. Ouais. Voilà, voilà. J'espère que lundi, il n'y aura plus rien pour aller au boulot. On verra bien. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve bientôt pour la suite du vlog. Et vous donner des nouvelles de ma cicatrice et de David. Vous inquiétez pas, il est parti chez le médecin. Je pense qu'il a encore un peu la grippe. Et puis, le restant s'est tombé dans le nez. Donc, voilà. Moi aussi, ça commence à me chatouiller. J'espère qu'il va pas me la refiler. J'ai eu il y a 15 jours. Donc, c'est bon, j'ai plus envie d'être malade. C'est bon, on a donné au mois de janvier, là. La paye ne veut pas être grosse. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On vous embrasse tous. On vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine. Et on se retrouve bientôt pour la suite du vlog. Bisous à tout le monde.